Allez, bonjour à toutes, bonjour à tous, de retour sur Ori and the Will of the Wisps. On s'était arrêté ici la dernière fois, on était toujours à la recherche des feux follets, on avait appris. Alors que je me souvienne de la touche, c'est celle-ci. Allez, du coup, sous le sable. Du coup, on va aller chercher ce qu'il y a là. Ah, attendez, faut que je me refasse un petit peu au gameplay. Ok, bon, on s'est fait toucher une fois, c'est pas bien grave. Un minerai Gorlek supplémentaire, j'ai pas vu comment on en avait. Est-ce que c'est noté quelque part? Je sais. Ah oui, on était pas à la recherche de la course. Le début de la course, il est en dessous là. On va y aller. On va aller voir. Ah oui, c'est vrai qu'on était là. C'est vrai qu'on était là. Mais du coup, ils vont pouvoir m'attaquer ces sales bêtes là. Ok, donc le début de la course est ici. Allez, bon, on va essayer de se faire ça. Alors voyons voir un petit peu le trajet. Je crois que c'était long, hein. Ah, on peut peut-être couper du coup par là. Oh la vache. Ok, bon. À mon avis, ça va être une catastrophe. Déjà, j'étais un peu paumé. Oui, allez, vas-y si tu veux. Ok. Oh non, il s'est accroché. C'est pas où faut aller. Bah, attendez, on va faire juste le chemin pour dire que. C'est une catastrophe. Comment on fait pour grimper là? Je me souviens plus. Ah putain, j'avais réussi à faire un truc là, c'était sympa. Ah oui, d'accord, mais je peux la gripper bien avant, du coup. Ah, par contre, je sais pas comment j'ai fait pour faire ce que j'ai fait là avec la boule qu'il y avait au milieu. Ça, par contre, c'est bien pratique. J'ai pas réussi à refaire la même chose. Comment? Attendez, comment on fait? C'est avec quelle touche qu'on fait ça? Ah, d'accord. En fait, c'est considéré comme du sable. Bon, oui, effectivement, j'ai dépassé le temps. C'est le temps de comprendre comment ça fonctionnait. J'ai raté, je vais aller trop vite, bien sûr. Allez, trace, trace, trace. Putain, mais j'avais même pas besoin de faire ça. Par contre, pour faire le saut pour aller directement en haut, je sais pas s'il n'y a pas besoin justement d'attendre un petit peu avant de se lancer.
Merde. Ah, on fait nimp. Surtout qu'on aurait pu s'accrocher, je suis sûr. Bon là, difficile de faire plus rapide. Ok, nickel. Voilà, parfait. Voilà qui est fait, une bonne chose de faite, comme on dit. Ok, elles sont les bestioles, elles sont plus là. Elles sont disparues. Que pas. Ah putain, mais comment on fait pour casser ça? Oh merde. Attendez, ça peut m'attaquer à l'intérieur, ça? Oula. Attendez, mais y'a rien à récupérer vers le bas, là? Ah non. La vache. Ok, alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, on a un truc tout en haut. Ah, mais je crois que j'avais essayé d'y aller, non? Ah non. Ok. Et du coup, alors pourquoi j'étais pas allé de ce côté-ci? Pourquoi je m'étais barré? Pourquoi j'étais revenu de ce côté-ci, du coup? Je ne me souviens plus. Ça me paraît bizarre. J'ai envie d'aller voir. En vrai. Ah, attendez, non, c'était l'endroit. Attendez, je vais aller voir. Oh. Évidemment. Putain, je me trompe de touche. Ah, attendez. Donc là, on avait fait. Toi, vas-y, dégage. Ah. Allez, là, j'étais allé en dessous? Oui. Ah oui, d'accord, on peut faire ça absolument partout. Ok, donc là, il y avait ça. Comment je fais pour aller au-dessus? Ah, y'a... Attendez. Y'a pas un truc à faire avec ça, là? Genre, ça. Ok, à mon avis. Oh la vache. Ok, le problème c'est qu'on a plus de vie. Ok, donc ça on a récupéré. Oh la vache. Ok. Pourquoi je t'ai pas allé... Pourquoi je peux pas aller en... Je peux pas aller en dessous là? Mais si, je peux y aller. Oh non. Ça va être un peu chiant, je crois. Non, ça va. Ok. J'essaie de grimper. On ne peut pas grimper. Pour partir sur le côté. Pas content l'ami hein. Je l'aurai un jour. Non mais qu'est-ce que... Un peu nappe hein.
Mais bon. Allez, ça dégage. Alors du coup, c'était où qu'il fallait qu'on aille? Alors, pourquoi j'étais pas allé vers le bas, là? Pourquoi je peux pas y aller? Je peux tout à fait y aller. Mais oui. En plus, il y a un fragment de vie. Une cellule de vie. Un fragment de cellule de vie, pardon. Ah mais c'est peut-être, c'était peut-être avant que je récupère le pouvoir en question là. Ok, en voilà un. Oh la vache. Putain, ils m'en ont remis un deuxième. Oh puis c'est celui. Oh leur dur, ils sont en train de m'enchaîner les fumiers. Enfoiré. Ok. Oh c'est bon, on a eu les deux. Ok, bon. Reprenons de la vie. T'as cassé ça? Non. Ok. Ça, est-ce qu'on avait autre chose? Ah non, il n'y a rien d'autre ici, vraiment. Ok. Je pensais qu'il y aurait au moins un autre truc, mais apparemment non. Alors du coup maintenant, il faut aller voir au-dessus. Normalement tout ça, on est bon. Triple saut. Alors, de ce côté-ci. Ah merde, mais j'étais déjà tombé. Ok. Mais attendez, mais j'y étais allé là, non? Comment j'ai récupéré le truc à droite? Ah non, mais j'ai. Attendez, j'avais pas juste fait ça. Je peux rien faire. Ok, donc c'est pas par ici qu'il faut aller. Oh la vache. Oh, on l'a... Ah oui, d'accord, en fait, il peut crever en allant dans les pics. Tu veux pas me clapper? Oh la vache. Ok. Qu'est-ce que je fais, moi, maintenant, ici? Je vais là, ok. Ok. Petit truc là, non? Ouais. Ok. Cellule d'énergie. Pas encore un truc, non? Ok. Nickel. Ah, salut Gali! Comment qu'elle va? Tu m'as vu sur Phasmo, tu as bien ri. Allons bon, comment ça tu ris de nos performances sur Phasmo? Pas très gentil ça. Mais tu joues aussi à Phasmo toi du coup? Ah oui d'accord, on a juste fait le tour. Donc faut que je reparte à droite. Oh! Bonjour. Où est-ce qu'on atterrit en bas? Ah oui, d'accord. Non. Ok. Laissez-moi tranquille. Ok, nickel. T'étais trop drôle. Oui, je me suis mise il y a longtemps. Il y a pas longtemps, j'adore. Ah! Bah écoute, à l'occasion. Pourquoi pas? Si jamais... Merde. Si jamais on est dispo en même temps et que t'as envie de faire un peu de Phasmo. Avec plaisir, bah écoute, voilà, l'invitation est lancée. Ce sera avec plaisir également. Alors nous. Ah, on peut grimper ici. Là, on n'était pas allé. Ok. À mon avis, il faut casser. Voilà, j'allais dire, il faut casser une porte de l'autre côté. Oh, ça a repoussé, je veux pas le croire.
Voilà, un vrai champion. Faudrait qu'on s'ajoute sur Steam. Bah ouais. Écoute, alors je crois que... Attends, je vais te dire. Je crois que c'est crédible tout simplement sur Steam. Ouais. Ouais, c'est ça. On peut pas partager. Je sais pas comment on fait. Afficher mon profil, détail du compte. Ah non, c'est crédible d'où? Ah, attends. Information de contact. Sécurité du compte. Ou alors l'idée Steam. Je sais pas exactement ce qu'il te faut. Mais bon, bref. Normalement, c'est crédible d'où si jamais tu... Si jamais... Ah, je peux pas... Comment je fais pour grimper au-dessus, là? Ah, je sais. Merde, merde, merde. Ah non, ça a, ça a repoussé, j'allais dire. Merde, 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 il faut le faire, sur les deux. Ok, nickel. Putain! Au secours! C'est sûr. Ça marche, bah dis-moi, mais normalement c'est crédible doux, si je ne te dis pas de bêtises. Ok. Allez, on y retourne, hein. Ok, ok, ok. Tout va bien. Tout va bien. Je maîtrise la situation. Ok, bah voilà. On a récupéré tout ce qu'il y avait là. Donc je pense que ce côté... Ah non, il reste là. Pourquoi j'y suis pas allé? Ah, t'as trouvé, c'est bon. Bah nickel. Tac. Alors, tout dépend ce que t'appelles avant. Parce que non, j'ai commencé... Avec Nounet, il y a quoi? Je me souviens, je saurais même pas dire c'était quand. Mais bon, ça fait pas un an, si tu veux. Ah, attendez, c'est quel? Ah, ok, là, faut grimper. Tu veux pas me lâcher, toi, en bas, là? C'était là qu'il fallait aller? Là et à droite. Ok, donc par ici. Putain. Ok. Ah, à mon avis, il faut que je ressorte. Hop, voilà. Ça on prend. Ouais, ouais, c'est récent. C'est récent. Démonologiste. Alors non, mais je crois que c'est un jeu. C'est pas. Bah, je crois que c'est le jeu qui est dans le même style. Et je crois que c'est un jeu que j'avais vu sur. J'avais vu ça sur, sur Steam. Mais je sais pas ce que ça vaut. Est-ce que c'est mieux que Phasmo? Parce que déjà Phasmo, on a eu un peu du... Enfin, pas du mal, mais... Faut prendre un petit peu le truc et comprendre un petit peu le... Comment ça fonctionne. Mais du coup, non, j'ai pas... On n'a pas essayé, ça. Après, c'est dans le même style. Quel enfoiré! Arrête, s'il te plaît. Merci. C'est juste plus beau, ça copie beaucoup Phasmo, mais il y a que les premières... Mais il y a que les premières games de sympa. Alors comment ça, il y a que les premières games de sympa? Ah. Oh. Attendez, mais qu'est-ce que... Je suis où, là, dans la map? Ah, j'ai oublié une... On va rechercher ça. Oh putain! Oh la vache! Ça en est sorti. Parce que normalement les jeux comme ça, c'est justement plus tu joues, plus tu apprécies parce que tu connais, tu sais un petit peu comment jouer, tu sais comment t'organiser, etc., etc. Du coup, en quoi les premières games sont sympas et après ça devient chiant. Ou alors j'ai mal compris ton message. Qu'est-ce que c'est ça? C'est rien. Ouais. Ouais. Alors.
Attendez, mais comment... Mais comment on fait, là? En fait, ils ont mis des screamers chelous, mais qui sont exactement les mêmes. Ça fait juste des roulements et des... Ah, oui, d'accord, je comprends. Donc, en fait, t'as que les premières games où t'es vraiment un petit peu surpris par tout ce qui est... Attends. Non, mais j'arriverai pas à faire ça. Attendez, il me manque un... Je peux pas... Et en plus, j'ai le triple saut. Hein. Alors, mis à pas faire... Non, je peux pas. Mais ouais, du coup, je vois très bien ce que tu veux dire. En fait, merde. En fait, les premières games sont cool parce que t'as l'effet de surprise, etc., etc. Et en fait, plus tu joues, plus tu t'as... Tu sais ce qui t'attend et donc du coup, bah... Ça, y a plus vraiment d'intérêt, quoi. Je vois et je comprends totalement, du coup. Pourquoi je fais pas ça en fait? Oh! Qu'est-ce que je fous là? Bah ouais, non mais. Au moins, face moi, il y a une logique sur les apparitions. Effectivement. Mais après, tu vois, c'est ça aussi qui est bien avec. Enfin, qui est bien. En fait, avec Phasmo, le truc, c'est que il faut que tu t'accroches parce que... Merde, le con. Attends. Je suis désolé, c'est un petit peu tricky, surtout que je fais n'importe quoi, voilà. Mais ouais, ce qui est bien et pas bien, en fait, sur Phasmo, c'est que t'as vraiment une progression. Et en fait, cette progression, si jamais tu l'acceptes pas au début, bah du coup, tu peux vite lâcher le jeu. Bon. Non! Putain, tout ça pour ça? Utilisez-le pour que les ennemis réapparaissent plus vite. Ah bah merci! C'est cool ça! C'est chaud, Ori. Ouais. T'as certains passages, ouais, c'est pas si évident que ça. Après, je suis peut-être pas bon. Hein. Attends, ça fait un mois que tu joues à quoi? À Phasmo? Mais tu fais que ça du coup? Ouais, donc t'as quand même un petit niveau quand même. Voilà. Parce que nous, je te préviens, on n'a pas ce niveau-là. Nous, on est niveau, je sais plus. Ouais, tu fais des longues sessions. Ouais, nous, on joue quoi? On fait des sessions d'une heure, une heure et demie. Peut-être 2 heures des fois. Mais ouais, non, c'est petite dose, tu vois. J'aime bien faire des petites sessions. Je serais pas du genre à faire des sessions de... Putain, quelle ordure. Je serais pas du genre à faire des sessions de 3 heures. Après, je pense que quand tu parles de longues sessions, tu dois parler peut-être de sessions de 5-6 heures. Madame, je fais des lives toute la nuit. Ok, on a les deux pierres. Ouais, donc finalement, c'est toi qui vas nous apprendre le jeu. Ok, bon. Où est-ce qu'il faut qu'on aille, nous? Ah merde, j'aurais peut-être dû... Ah, attendez. Merde. On peut peut-être faire ça, ça et ça. Nickel. Et du coup, là, il y a peut-être moyen de monter. Ah, peut-être par là. Attends. Il y a la bouboule. Non! Si, ça va. Ok, nickel. Bah, en vrai, je trouve que t'as une super bonne logique. Tu trouvais vite l'entité. Alors, très souvent, c'est du bluff. Hein. Très souvent, c'est du bluff. Après, c'est un peu par élimination de certains trucs, puis à force de jouer. Mais si. Ah, c'est gentil, hein, mais... Il y avait un peu du bluff là-dedans. Ok, nickel. Mais du coup, tu les as fait, toi, Léori?
pas du tout. Ah, attends, comment je peux faire pour aller au-dessus là? Est-ce qu'on peut... Je sais pas si on peut. Ça me paraît un chouïa compliqué. Non merde. Je vois pas comment je peux aller au-dessus. Ah, y'a rien pour s'accrocher. T'as une bonne réflexion. J'ai regardé des lives, mais jamais fait. Par contre, c'est vraiment beau. Ouais, c'est très très beau. Et même en termes de gameplay, hein, franchement, ça a pas l'air comme ça, mais c'est très très cool en termes de gameplay également. Ah la vache, merde. Salut Overlit. Oh non, putain, qu'est-ce que je fous là? Ah mais attendez, je peux peut-être faire ça, non? Ah la vache! Pardon! Putain, ça se joue pas à grand chose. Oh! On a réussi à choper le bout de la plateforme. Nickel! Bah très bien. Mais après, ouais, si... Il est devenu quoi le gars du début? De qui tu parles, Merlitz? De quel gars parles-tu? Mais ouais, si t'as... Si t'as... Je crois qu'il est sur PC aussi, Ori. J'ai peur de dire une connerie. Mais si t'as, si t'as l'occasion de, de les faire, c'est vraiment très cool. Hein. Alors comment je passe ici? Ah non, d'accord, j'ai compris. Allez, viens. Oh merde. Allez, viens. Merci. Putain, salaud. Ah, attends, comment... Ah, putain, il faut l'emmener jusque là. Attendez. Putain, si c'est ça. J'ai plus énormément de vie, par contre. C'est un petit peu... Allez, viens, 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 viens. Du coup, il faut bien longer, réussir à longer ici. Non. Ah, merde, il y en a un là. Putain, mais qu'il est con. Je me le suis pris sur le coin de la gueule. On est mort. Je crois que le son est un peu en retard là, non? Non, il était bien le son, Nounette, ou pas? Parce que moi j'ai l'impression qu'il était un peu en retard. Ah oui, ok. Je... Bah en fait là il est parti à notre recherche, tout simplement. J'ai pas vu, je mange mes céréales. Ah, mais je l'ai entendu. Ah bah c'est le principal. J'ai la PS5 depuis mon anniv là, donc c'est nickel aussi. Il est pas sur PS5 le jeu. On est sur Switch là. Mais attends, alors, je vais te dire tout de suite. Ouais, Ori il est sur PC aussi. Il est sur Steam, y'a voir, je vais aller regarder le prix qu'il est sur, sur Steam. Parce que c'est vrai qu'en vrai j'aurais... Bon après non, je les aurais pas fait sur Steam parce que... Parce que moi je suis plus du genre à bien aimer avoir les... Comment ? Avoir les jeux en, en physique. Alors, Ori. Eh bah, le... Alors, le premier, je vois pas le prix. Le deuxième, celui que je suis en train de faire, est à 9,89. Et du coup, le premier, il est à... Il est à, il est à, il est à... Il est à 4,99€. Franchement, fonce, hein, ils sont en promo. Au lieu de 20 balles, il soit à 5 et 8 euros. Franchement, franchement, je te les conseille. Hein. Si t'aimes, après, si t'aimes bien tout ce qui est jeu de plateforme avec un petit peu d'énigme par, par moment. Ah putain, je reviens là, merde. Et puis même, c'est très chatoyant, on va dire. C'est très chatoyant comme jeu. Et voilà, ça fait du bien de temps en temps des petits jeux comme ça. Qui paient peut-être un peu pas de mine, mais au final, bah, qui n'ont rien envie à des gros jeux. Voilà. Qui sait ce qui marche? Bon, alors attends.
Parce que lui là. Ok. Allez, tu me fous la paix s'il te plaît. Ah c'est bon. Ok. J'aimerais bien qu'on puisse respawn ici moi. Quel jeu? Bah celui-là, les Ori. Le premier est à 5 balles et le deuxième à 8. Il y a des promos stream, ouais. Steam, pardon. Vas-y, je vais les prendre, tu m'as convaincu. Ah, un plaisir. Tu me donneras ton avis, du coup. J'attends ton avis, sincère. Comment j'ai... Qu'est-ce qu'il raconte, Verlit? Ah, tu verras. Tu verras bien. Bon. Alors attendez, comment je fais moi? Il veut pas venir lui? Viens. Bah ouais, mais il vient pas vers le bas. Ah, il faut peut-être que... Alors attends. Faut peut-être... Allez, viens. Oh non. Mais non, mais tu fais n'importe quoi. Ah puis les musiques sont très 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 sympas aussi. Hein. Toi qui es fan des jeux... Oh l'enfoiré! Ah non c'est bon. Toi qui es fan des jeux Zelda où pareil il y a des musiques qui te marquent. Bah, tu verras, tu peux être conquise également par la bande son de ce jeu. Après là... Peut-être pas le meilleur exemple qu'on a en ce moment, mais... Bon. Qu'est-ce que tu me veux, toi? Merde. C'est Monsieur Piquant, oui. Dans le sable, on t'a dit. Reste au sol. Voilà. Alors, comment je fais, par contre? Alors, comment je vais faire? Voilà. Très bonne question. Ok, tout simplement comme ça. J'aimerais bien aller voir. Qu'est-ce qu'on a de ce côté-ci? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce porte? C'est une porte qu'on peut pas ouvrir. A mon avis, on va devoir aller ici. Et voilà, il y a un levier. Nickel. Grave, ce que je me suis dit déjà depuis tout à l'heure, c'est très beau. Limite un peu Seigneur des Anneaux. Alors ouais, t'as certains passages, enfin certains passages. Là, c'est vrai que ça peut faire un petit peu passage, ah vite fait. Mais je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Un petit peu avec des mines et tout ça, mais après dans les couleurs, ça fait chatoyant et du coup. Ah puis si, ça a ouvert. Oh putain. Oh non, le revoilà. Aïe aïe aïe. Je sais pas où je vais. Je sais pas s'il y a quelque chose en dessous. J'ai envie d'aller voir. Oui, il y a quelque chose de caché. Ah, très bien. C'est une cellule de vitalité. Allez, viens ici, toi. Allez, viens, 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 viens. Ok. Bon, on s'en sort bien. Non, mais je vois ce que tu veux dire à certains endroits. Ça peut faire un petit peu penser. Mais après, moi, je suis plus adepte, on va dire... C'est quoi qui m'a touché? Je suis plus à l'aide des extérieurs en fait de jeu. Les extérieurs avec la nature et tout ça, c'est... Oh là 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 là. C'est complètement différent. C'est très appréciable. Je fais n'importe quoi. Ouais. Je fais n'importe quoi, j'arrive pas à être droit en fait. Voilà. Ah putain. Ok. 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 Non. 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 Voilà, dégage. Une espèce de fusée qui t'a poussé dedans. Ouais, ouais, je me doute, mais sur le coup, je l'ai pas vu. Alors, qu'est-ce que je suis censé faire, là? Ah putain, j'avais pas vu. Ok. D'accord. Ok, donc c'est un truc qui tourne. Ok. Oh la vache.
Oh la vache. D'accord, il y a du feu, il y a de la lave sur les bords. Ok, va falloir redevenir un... Merde, va falloir redevenir sérieux un petit peu là. Ah non, je croyais que c'était son troisième saut. Dégage. Ça a parlé de Phasmo. Elle restait dans l'ombre. Ah, c'est vrai qu'on rigole bien. Enfin, moi, c'est vrai que je rigole. Mais après, c'est vrai que... Putain. Oh non! C'est un peu comme moi, c'est... Tu vois, c'est des petites sessions de 1 heure et demie, c'est très bien. Ça nous suffit amplement. Pas besoin de faire des séances de 5 heures. 5 heures, non. Je pense que je me lasserai vite, 5 heures. Bon, alors attends. Concentration. C'est un enfer. Comment? Comment? C'est pas possible. Ah, ou alors... Merde, ou alors c'est peut-être pas dans le sens là qu'il faut faire. Peut-être se servir des bords et des plateformes pour passer par exemple en dessous. Attendez, je peux passer en dessous? Je peux clairement passer. Ok. Ok, ouais, non, c'est bien ça. Qu'est-ce qu'il y a par là? Oh bordel! Oh putain, elle m'a loupé. Oh le con. Houston, on a un problème. Toi. Je suis bloqué par le tronc. Oh, m'emmerde celui-là. Dégage. On va reprendre un peu de vie. Bon. Alors, ici, ok. On va attendre un petit peu. Je sais même plus ce que j'allais rechercher en fait de ce côté-ci. Ok. Ah, il m'a vu. Il m'a vu, il m'a vu, il m'a vu. Oh la vache. 8, on se barre. Ok, où est-ce qu'on va par contre maintenant? Putain, et ça m'a suivi jusque là? Au secours, je sais pas où aller. On se mettre là. Ouais, ok, on est plutôt safe ici. Je vais essayer de prendre tout ça là. Ok, où est-ce qu'on va ensuite? Où est-ce qu'on va ensuite? Où est-ce qu'on va ensuite? Y'a pas de place. Je sais pas du tout où aller. Oh non. Ah putain, puis mort là. Allez. Hop. Toi, fous-moi la paix, s'il te plaît. J'ai raté. Il arrive ou pas? Ouais, il arrive. Il arrive tout à fait. Où est-ce qu'il faut que j'aille? Y a pas de place pour passer. Ah, ou alors faut peut-être spammer. Ah putain, si en spammant ça passe. Voilà, on anticipe. Oh mais non. Je pense que c'est comme ça. Vraiment en spammant et en traçant. Je pense que ça passe. Il vient ou il vient pas en bas là? Ok, il vient pas. Ok, on va récupérer tout ça. Ah putain. Ok, c'est bien ça. Qu'est-ce que tu nous racontes? Ah oui, du coup tu joues en perso avec tes paramètres. J'ai retiré les cachettes. Et l'entité est plus rapide. Elle est folle. Elle est complètement tarée. En tout bien tout honneur, bien sûr. Alors, faut aller directement à droite. Ok, nickel.
Où est-ce qu'on va là? À mon avis, il n'y a pas un passage à droite là? Que nenni. Ah! Bonjour! Oh merde, pas par là! Je suis comment en vie? Je suis pas très très bien là. Ouais. Tu peux. Oh! Ah non, je l'avais buté. Est-ce que vous voulez bien? Merde. Oh, putain, il me. Pré-choque le fumier! C'est un enfer ce truc. Oh merde, je me suis. Putain, lui a fait du dégât! Je vais passer en dessous. Ça, il est presque mort. Dégage. Allez, maintenant à toi. À nous deux, le gros. C'est bon. Ouf. C'est utiliser les objets maudits. Ah, nous, on sait très bien. Le miroir. Le miroir, c'est notre passion. Alors, à quoi sert cette lampe qu'il y a au-dessus? Ah, mais attendez, il y a un truc de sauvegarde là. Ah, bah voilà! J'aurais dû faire ça. Nickel. Là, faut aller directement à droite. Je sais pas où je vais. Ouais. À mon avis, petit passage. Oh là va. Mais non, mais attendez. Je suis où là? Ah putain, faut faire remonter ça. Faut le faire aller où? Alors là, attendez, j'ai pas compris là. Ah merde, tu nous as vu devant le miroir. On ne se moque pas, hein, bien sûr. Attends, mais je vois pas où est-ce qu'ils veulent que j'aille avec ça. Il est où le truc que j'ai à... Attends. Si je fais ça. J'arrive même pas à prendre la range du truc qu'il y a au-dessus. Merde, j'ai oublié de projeter. Bon. Où est-ce qu'il... Non mais y a pas d'autre endroit où l'emmener. Putain, il est venu me toucher jusque là. Je sais absolument pas ce qu'il faut que je fasse. Ouais. J'arrive vraiment pas à aller le chercher le truc en haut là. Merde, con. Ah si, je l'avais la range. Ah. Ah, le miroir, c'est quelque chose. Il fallait le voir pour le croire, le miroir. Par contre, là, comment on fait si on n'a pas le triple saut, là? Mais du coup, à quoi ça sert de me... d'attirer ce truc? Prendre la vie. J'arrive pas à comprendre à quoi ça me sert en fait ce truc là. Putain, puis me revoilà là maintenant. Tiens. Ça, c'était juste au passage pour te faire bien comprendre
que je ne t'apprécie guère, l'ami. Bon, je m'en fous de lui. J'arrive pas. Merde. J'arrive pas à choper la range de ce truc. Je l'ai eu tout à l'heure. Mais j'ai pas réussi à appuyer correctement. Allez, pousse sur les jambes. À mon avis, j'ai pas appuyé sur la bonne touche. Voilà pourquoi j'ai pas réussi à avoir... Oh merde. Oh merde. Je pense que j'ai appuyé sur la bonne touche. Voyons, overlead ton langage. Merde. Bon, j'aimerais bien dégager de cet endroit là. Donc. Hop! J'y arrive pas. Alors faut que j'arrive à prendre de la vitesse, mais... J'ai pas l'impression que j'aille plus vite en faisant ça, moi. Attendez, y'a pas un autre endroit où je peux aller dans cette map? Ah non? Ah, puis c'est juste là en plus qu'il faut que j'aille chercher le cœur de la forêt. Ok. Donc je suis vraiment pas loin de l'objectif final de cette zone. Je peux pas. Non, je peux pas aller là. Donc non, c'est bien ça qu'il faut que je fasse. Bon. Ah, en fait, faut. Oh la vache! Oh, j'ai pris tellement de dégâts. Ah putain, puis là maintenant il y a les deux ennemis qui sont venus ici. Ça va être génial. Est-ce qu'il faut que je prenne de la hauteur? Non, j'arrive pas à avoir la gourde du truc. Hein. Je suis bien trop loin. Pourquoi des fois j'arrive vraiment à sauter bien haut comme il faut? Non. Viens par là. Faut la vie. Merde. Oh là là. Un oral au brevet. Putain, qu'est-ce que j'aurais pas aimé avoir d'oral au brevet. Mais on est bien là. Ah. Je suis en train de réfléchir si j'ai pas un autre truc en fait pour. Mais non, j'ai pas d'autre pouvoir. Est-ce que ça me fait pas aller plus vite ça? J'ai clairement pas plus vite. Hein. Ouais, on ne serait pas quelque peu bloqué. J'ai l'impression que si, moi. Non, ça c'est de la merde. Et putain, j'ai eu deux fois la possibilité de m'éjecter. Par contre, si jamais je m'éjecte avec cette boule... Oh là 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 là. J'ai pas supprimé le troisième saut, bah non. 1, 2, 3, non. Alors comment on ferait si on avait que le premier... que un saut là? C'est pas un passage faisable. En fait le truc c'est que si j'avais un autre chemin pour continuer le jeu, j'aurais déjà abandonné. Le problème c'est que là je suis sûr à 100% que c'est par là qu'il faut aller. Est-ce que je peux faire un truc avec lui là?
Ah mais oui, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris. Regardez comme c'est technique. Oh l'enfoiré, j'ai pas eu le temps. J'espère que c'est ça par contre. Hein. Je vois pas pourquoi ce serait pas ça. J'ai pas réussi. Donc j'ai compris quelle est l'utilité de cette bestiole. Oh le con, j'ai raté. Bon c'est pas grave. Là je sais comment faut faire du coup. On va arrêter de galérer de tourner en rond ici. Mais n'empêche que c'est quand même faisable sans ce truc parce que j'ai eu la range deux fois. Ah, putain. Du coup c'est possible de faire sans. Allez viens. Pourquoi des fois ils sautent haut et des fois ils sautent pas haut? Peut-être que j'ai pas le bon angle. Peut-être qu'il faut que je parte comme ça. Ah non, non, non. Bon, maintenant que j'ai compris le truc, on était censé y arriver rapidement. C'est pas le cas. Là. Une graine mystérieuse. Ah! Oh putain, je me suis trompé de touche. On ne balance pas de merde, s'il te plaît. Merci. Bon, du coup, faut qu'on recommence. Allez, viens. On était parti vraiment tout droit. Oh l'enfoiré! Putain, la hauteur qu'il a pris, j'ai cru qu'il s'était arrêté et qu'il était reparti dans son terrier. Allez, viens. Des fois il part hyper loin. Alors attends. Ouais. Oh la vache. Par contre il y a un truc tout à gauche à aller chercher. Il manque niveau 1. Ah ça tout level max. Ça y est, la musique a changé. Oh la vache. Ça va être quelque chose. L'accès ne s'ouvrira pas tant que le cœur ne sera pas. Quoi? Qu'il est en sécurité? Réunis 80. Oh putain, c'est... Mais non. Vous êtes donc en train de me dire que je suis venu ici pour arriver devant un temple où la porte ne s'ouvre pas? Mais non, mais du coup, c'est là qu'il faudra aller en dernier. Oh, j'ai la mort. Oh, j'ai la mort. Ah, Prince of Persia. Allez, allez. Nickel. Putain, on en a 7 quand même. Bon, bah tant pis. C'est pas grave. Hop. On fait demi-tour maintenant qu'on a réussi à passer ici. Salut. Eh ben, on va se TP, hein. Parce que du coup, cette zone, je crois qu'on en a quasiment fait le tour. Là, il y a encore des trucs au-dessus. Je sais pas exactement comment on y va. Bon, là, il nous reste des trucs à prendre. Mais en vrai, si on regarde un petit peu... Si on fait un peu le tour de cette zone, on a tout récupéré. Donc, écoutez, on va se TP. Ah, mais attendez, mais je peux... Normalement, je peux le faire comme ça, non? Bah oui, je peux. Où est-ce qu'on va? On va aller ici. C'est vrai qu'on a déjà pas toutes les deuxièmes versions des objets donc bon. Donc là maintenant je peux aller ici. Ok. Oh putain. D'accord, il y avait la bestiole. Je l'ai vu un peu tardivement, mais je l'ai vu.
Ah, du coup, je suis obligé de passer par là pour. Putain, mais attendez, mais comment je fais pour. Oh, je peux plus me cacher? Ah, d'accord. Ok, donc je vais faire comme si. Comme si je pouvais pas y aller là. Aïe! Donc on va le laisser tranquille. Là maintenant, voilà ce que je disais avec les boules, maintenant on peut faire ça. Avant, on les voyait. On ne savait pas ce qu'on pouvait faire avec. Alors attends, est-ce que c'est une bonne chose de descendre comme ça là? Oh, bonjour. Où est-ce que je vais là? Oh putain. Je suis pas allé là? Ah, le sanctuaire de combat. Ah, ça va me donner une place en plus. Allez, viens. Oh non, pas les moustiques! Pas les moustiques! Pas les moustiques! Faut que j'en bute un! Oh la vache! Attention les moustiques! Ah la vache! Ah, ils sont tellement violents les moustiques! Ok, on l'a eu! Bon, foutez-moi la paix s'il vous plaît! On va se faire buter par les moustiques! Vite, prends la vie! Cassez-vous. Oh non, on va crever. Et deux. Ah non, j'en ai buté deux. Ok, nickel. Prends de la vie. Vite. Oh putain! Ok, ils m'ont ramené deux gros. Promis, je veux pas me barrer. Je voulais juste aller reprendre de la vie. Qu'est-ce que. Ils m'ont foutu une araignée en plus de ça. On va faire ça, hein. Est-ce qu'on est pas en train de se foutre de leur gueule là? Est-ce que ça leur fait des dégâts? Oh merde. Je crois que je suis trop confiant dans mon plan. Oh la vache. Oh putain, il m'a eu. Attention! Oh la va... Je me suis fait toucher. Prendre la vie. Oh l'ordure! Putain, mais laissez-moi reprendre la vie, merde! Putain, y'en a un qui est. Oh putain. Oh, je veux pas le croire comment il me pré-shot. Allez, y'en a un qui est. Y'en a un qui est mort là, non? Oui. Ok, ok, le deuxième est bon. Bon. À notre tour. Je me suis trompé de touche. Dégage. On va te renvoyer ta merde. Faire comme ça, j'ai la flemme de monter. Putain, on m'a fait peur. Sur qui tu tires là? Oh! Putain, mais j'arrive pas à la viser. Ouais, je suis trop haut à chaque fois. C'est moi les mourus? Ah, les mourus. Vite les. Ah merde, non. Au pied. Oh putain. Oh putain, il faut les buter au fur et à mesure parce que là sinon. Oh. Oh, la réaction en chaîne. Nickel. Vite de la vie. De la vie par pitié. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est les mouflettes. Ils m'ont refoutu une araignée. Oh, ils m'ont refoutu une mouflette. Non. Oh non, mais là c'est terminé là. Comment je fais moi?
vache. Ok, j'en ai eu une. Putain, et l'autre qui me balance ses merdes là. Oh putain. Arrêtez de sauter dans tous les sens. Ça m'horripile. C'est bon, allez, l'araignée. Oh merde! Oh! Nickel. Oh la vache! On revient de loin. On n'est pas mort. Extension d'emplacement de fragments, merci beaucoup. On va directement s'en occuper. C'est pas avec cette touche. Et c'est pas là non plus. Je me souviens plus c'est quelle touche. Ah si, c'est ça. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut mettre du coup? Bah je crois qu'on va mettre les 3 cellules de vie. Voilà. Parce qu'en plus le truc là on l'avait amélioré je crois. Si je dis pas de bêtises. Et là du coup on est pas trop mal. On est bien. Alors c'est quoi les pouvoirs que j'ai? 3 orbes de spirit. Ok. Ok. Ouais bah là je pense qu'on est pas mal là, en vrai. Bon. Eh bah écoutez je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Hein. Alors, qu'est-ce que vous nous racontez de beau? Nounette qui dit que c'est une game, une noob partout. J'aime pas apprendre de nouvelles touches, c'est super chiant. Ah, voilà. Ah, c'était pour jouer à Overwatch. D'accord. C'est pas amusant de prendre ses marques et de régler ses touches et sensi. Tu voulais entendre. Je voulais entendre Enough. On va sur Fofo alors je veux juste pas être seul. Effectivement, tu n'as pas assez travaillé sur ton oral de brevet. Il fait juste une recherche à faire, j'ai travaillé hier. Ah le brevet en plus ça va venir vite. Hein. Encore 6 mois, 7 mois. Allez. Ouais, bah écoutez, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On aura bien avancé. On est où là sur la map? Ouais, je pense que prochaine étape... Bah du coup, en fait, prochaine étape, ça sera de retourner vers le village. En vrai, je me demande si je vais même pas me... Je crois que je vais me TP directement vers le village. C'était ici. Par contre, du coup, je sais toujours pas où est le vilain avec ses graines, là. Parce qu'il est, il est plus là. Hein. Il est plus là. Allez, on va se TP ici. Ça fait un peu Hollow Knight. Ouais, Hollow Knight, c'est le prochain jeu que je vais faire. Enfin, sûrement, en tout cas, un des prochains jeux que je veux faire. Parce que c'est comme Ori, en fait. C'est un jeu, j'en entends parler depuis, depuis des années. Et alors, je crois que Hollow Knight, je l'avais commencé. Mais regarde, tu vois, par exemple, là, quand t'es en extérieur... Attends, on va marcher un petit peu, mais... Mais en vrai, là, quand t'es en extérieur... C'est... Regarde, regarde les couleurs, comment c'est beau. Moi, de toute façon, je suis tombé sous le charme hein, de ce jeu. Il n'y a pas à dire. On va aller vers le village. Puis on va s'arrêter là. Hop. Et nous voici au village. Donc là, le mec, il est... Mais il n'y a même plus sa baraque. Ah si. Ah bah voilà, il est là. Mais attends, mais du coup, ça a bugué la dernière fois. Attendez, j'ai eu la touche pour lui parler. Non mais je crois qu'il bug en fait. Parce que j'ai eu la touche appuyée sur Y pour lui parler. Attendez. Si on revient en arrière. Merde. Bon, je sais pas ce qui se passe avec ce personnage, mais il a décidé de nous faire la gueule. C'est pas bien grave. Mais ouais, c'est trop beau, ouais, effectivement. Tiens, on va aller peut-être un peu plus vers la gauche.
Après, c'est pareil, un jeu, enfin un peu dans le même style, qui est très joli également. Je sais pas si tu connais, je crois qu'il est sur PC également. J'ai un doute maintenant que je dis ça. Mais c'est Kena que j'ai fait. Que j'ai fait il y a. Bon, ça commence à dater un petit peu, mais. Restart du point vers le bas. Ouais, je regarderai ça la prochaine fois. Mais Kena, c'est pareil, c'est hyper joli. C'est un peu, bah pareil, un peu beat'em all comme ça, beat'em up, beat'em all, je sais jamais la différence. Mais dans tous les cas, c'est tout aussi plaisant à jouer. Voilà. Tu connais de nom, mais j'ai jamais fait ni vu. Ah, je vais regarder s'il est sur. Merde, j'ai pas ouvert le bon truc. Normalement, il doit être sur Steam, je pense. Ouais, et ben il est à 15 euros, à 16 euros pardon, 15,99 au lieu de 40. Et ouais non c'est très très cool, c'est très très cool également. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Après je vais pas te balancer 50 jeux comme ça que j'ai bien aimé ces derniers temps, mais si t'aimes bien un petit peu dans le même style, c'est beaucoup moins parcours, enfin parcours. C'est beaucoup moins plateforme que ce petit Ori. Mais voilà, c'est pareil en termes de gameplay, j'ai trouvé ça très très cool. Enfin voilà, bref. Ori, Kena, Hollow Knight et d'autres jeux. Voilà, on va s'arrêter là. Mais un peu dans le même style, je pense que c'est des petits jeux que je pouvais conseiller à faire. Des petits jeux, bon, j'allais dire pas spécialement connus. Voilà, c'est. En tout cas, c'est reconnu. C'est pas des jeux que peut-être beaucoup de personnes ont fait. Je parle en comparaison par rapport au AAA, etc. Pas de RPG de prévu. Après, non. Pas spécialement. J'ai même pas. En fait, j'ai même pas de nom de RPG qui me tenterait en vrai. Tu vois. Après, qui sait, hein? Tu sais, au bout d'un moment, si je suis un petit peu en. On va dire en absence d'idées pour des petits jeux à faire. Pourquoi pas, il y en a forcément hein, qui doit être sympa. Octopath Traveler 2, ça ne tente pas. Mais il y a un jeu. Mais attends, mais est-ce que. À mon avis, on parle pas de la même chose. Octopath Traveler, qu'est-ce que c'est que ça? Peggy 12. Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, le truc avec les RPG, je vais être franc, c'est que c'est un peu le style de jeu. C'est comme Final Fantasy, ça suit pas, super beau, des musiques magnifiques. Je suis entièrement d'accord avec toi sur, en tout cas, le peu que j'ai vu là dans la, le peu que je vois dans la bande-annonce. Mais c'est le genre de jeu en fait où je sais pas, j'aurais l'impression. C'est personnel comme avis. Mais j'aurais vite l'impression de. Comment dire? J'ai pas envie de dire m'ennuyer. Mais en fait, je suis quasiment certain. Après, je peux me tromper, mais que c'est le genre de jeu que je commencerai et que je finirai pas. C'est pas. Tu vois, c'est pas vers le. C'est pas vers ce style de jeu que j'aurais envie de me lancer quoi. Mais je comprends totalement que le RPG. Après, il y a des RPG que je pourrais sûrement apprécier. Mais il faudrait que j'y aille de moi-même. Il faudrait que ce soit un truc où je me dis, tiens, j'ai envie de tester, ça m'intéresse. Et là, tu vois, en voyant la bande-annonce et tout ça, je dis oui, ça a l'air sympa. Mais à mon avis, ça serait sympa pendant peut-être 4-5 heures de jeu et au bout d'un moment, ça me lasserait. Voilà, c'est ça. J'aurais l'impression de me lasser au bout d'un moment. Pourtant, j'en ai déjà fait, hein, tu vois, des Final Fantasy. Bon, j'en ai fait plus quand j'étais plus jeune, quoi, mais. Mais ouais, tout ça pour dire que, bah, pff, non, pas de RPG de prévu pour le moment. Surtout que c'est du farm. Il y a ça aussi. Après, c'est pas spécialement ce qui me gênerait le plus, tu vois.
Parce que farmer sur certains jeux, ça m'a jamais vraiment dérangé. Mais voilà. Après, je sais, hein. Mais je comprends que, par exemple, pour certaines personnes, tout ce qui est RPG, c'est comme t'as dit, le summum du jeu vidéo. Ah non, t'as dit la quintessence du jeu vidéo. Mais je peux totalement le comprendre. Voilà. Après, chacun ses goûts et je ne remettrai pas tes goûts en doute, loin de là, sur le fait que c'est un super jeu. Après, voilà. Tu vois, si RPG, mon jeu préféré. Mon jeu préféré, c'est un RPG. C'est Castlevania Symphony of the Night, c'est un jeu PS1. C'est un RPG et ça regroupe. C'est quasiment. En fait, pour moi, ce jeu, ça a quasiment tout au top. En fait, en termes de comment. Si tu mets des notes sur 10, c'est le jeu qui pour moi en globalité aurait le plus de points. Et c'est, je pense pas que ce soit vraiment un aspect un côté nostalgique parce que le jeu je l'ai fait quand j'étais vraiment vraiment plus jeune. Mais c'est voilà, pareil en termes de musique, en termes de graphisme, etc., etc. Trop marrant, je dis pareil sur Persona 5 Royal. Putain, mais j'ai jamais entendu parler de ce jeu. Je comprends pas pourquoi tu continues de venir sur mes lives alors que à chaque fois que tu me parles de RPG, j'y connais rien. J'y connais rien en RPG. Mais ouais, Castlevania Symphony of the Night, c'est. Voilà. Pourtant, tu vois, si je devais faire un top 3, ce serait celui-là. On va dire un des Red Dead Redemption. Un ou deux, je saurais pas choisir. Et The Last of Us, tu vois, donc c'est vraiment des jeux plus récents. J'en ai surtout beaucoup parlé de Resident Evil, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et je crois qu'on était plutôt d'accord sur la plupart de nos points de vue. On était en adéquation, j'ai envie de dire. Mais bref, voilà, moi j'ai la Switch qui commence à se mettre en veille. Bon, écoutez. Et puis je viens parce que je trouve que t'es un bon streamer, j'aime bien tes lives. Ah, c'est gentil, merci bien. Moi je passe de temps en temps, mais après c'est vrai que quand c'est sur du Final Fantasy ou autre, ou RPG, hein, on va dire dans le. Bah, malheureusement, tu vois, je reste pas. Et puis c'est vrai que tu streams aussi à des horaires où moi je suis déjà couché quoi. Attendez que je me lève très très tôt. Eh ouais, madame, je fais des lives toute la nuit. Genre le soir, je vais me coucher, je me réveille le lendemain à 4h, je vois, bah tiens, elle est encore en live. Très bien, tout va bien. Tout va bien. Mais bref, dans tous les cas, c'est très sympa. C'est très gentil. Crazy Pile est vieux. C'est pas que je suis vieux, c'est que j'ai un rythme de vie différent du tien. Déjà. De par mon boulot. Et puis voilà, moi je suis plus du genre maintenant à me lever tôt. Et à profiter de ma journée et à me coucher plutôt le soir. Voilà, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Bref, eh bien écoutez, merci à ceux qui sont passés sur ce live. J'espère que ça vous aura plu. Passez un bon dimanche. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde! Au cas où on se reverrait pas d'ici là. Je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit. Ouais.